Julien, tu as choisi d'aligner Caroline et Alizée pour les deux premiers simples du samedi. Peux-tu nous expliquer comment tu as fait ton choix? Bah, il y a plusieurs paramètres qui sont rentrés en compte. Déjà, c'est les deux meilleurs au classement WTA. Ensuite, sur ce début de saison, de ce que j'ai vu, c'est les filles qui ont gagné un petit peu plus de matchs ou alors qui ont produit un tennis de qualité avec beaucoup de densité sur certains matchs. Puis aussi ce que j'ai vu là sur les 2-3 joueurs à l'entraînement ici à Liège. Donc là, il y a beaucoup de paramètres qui sont rentrés en compte. Des échanges aussi avec mon staff sur l'état de forme de chacune. Donc voilà, une fois que j'ai eu toutes ces informations, mon choix, mon intuition était d'aligner Caroline et Alizée sur ses premiers simples le samedi. Et comme j'ai dit aux filles et à tout le groupe, on fera le point samedi soir pour dimanche. Caroline, pour ton retour en équipe de France, tu vas ouvrir la rencontre face à Alison Van Hooydonk. À quel genre de match tu t'attends? Évidemment, je m'attends à un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de combats des deux côtés. C'est une joueuse solide qui est capable de faire beaucoup de choses. Elle a une bonne main, elle essaye de varier le jeu, puis elle joue devant son public. Donc voilà, elle aura un petit surplus d'énergie. Mais moi aussi, je joue pour mon équipe, donc moi aussi, je serai à fond du début à la fin. Et voilà, il faut que je joue avec toutes mes capacités, je donne mon maximum et que je me batte du premier au dernier point. Je me sens bien, je suis heureuse et fière d'être de retour en équipe de France et de défendre les couleurs de la France pour cette rencontre contre la Belgique. Donc voilà, la préparation s'est bien passée. Je me suis préparée pour ce week-end et je suis très contente d'être sur le terrain samedi. C'est vraiment toujours voilà, une fierté de pouvoir apporter encore plus en étant sur le terrain. Et voilà, tout s'est bien passé, c'est passé assez vite. Alizée, tu retrouves l'équipe de France après quelques mois d'absence. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Oui, quelques mois, même quasiment 2 ans en fait, puisque ma dernière rencontre c'était à Rouen 2017. Donc, du coup, ça a commencé à dater. Et je suis très très heureuse de retrouver l'équipe. Ça m'avait vraiment manqué cette ambiance de groupe, ce travail partagé, ces moments d'intimité qu'on peut avoir tous ensemble. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Donc voilà, très contente d'être de retour dans l'équipe et d'être de retour sur le court demain contre Mertens. J'ai déjà affronté à Melbourne l'année dernière et ça avait été un match très difficile sous des conditions vraiment particulières puisqu'il faisait 45 degrés et physiquement elle est très très solide. Donc voilà, elle m'avait un peu mangé là-dessus, mais c'est une joueuse, on sait à quoi s'attendre, hein. Elle est très solide, elle a un jeu complet, elle sait tout faire. Elle n'est pas extrêmement puissante, mais elle distribue très bien le jeu et elle fait très peu de fautes. Donc voilà, ce sera à moi peut-être d'être un peu plus agressive, d'aller chercher les points et de faire aussi mes qualités d'accrocheuse. Ce sera 2 accrocheuses sur le terrain. Donc je m'attends à un match de qualité et surtout voilà, plutôt long et disputé. On se prépare toutes au mieux pour être sur le terrain le week-end. Après, une fois que le choix du capitaine est fait, c'est vrai que le rôle change un petit peu, en tout cas pour samedi. Moi, je suis à fond derrière les filles et forcément, je les soutiens au maximum. L'année dernière, j'étais sur le court, là, je suis sur le banc. Voilà, on sait que ça tourne et on est toutes là pour le même objectif. Donc, bien sûr que je vais donner de la voix pour encourager les filles. Je suis toujours prête. Toujours heureuse de faire partie de cette équipe. Je suis toujours présente au poste. J'ai toujours été, je le suis toujours et je le serai toujours. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, voilà, on part sur une journée le samedi. C'est beaucoup trop loin de se projeter sur dimanche. Voilà. On a toute une bonne semaine d'entraînement. On est toutes bien préparées, que ce soit pour jouer sur le court ou sur le banc pour donner de la voix. On sera toutes à fond, quoi qu'il arrive.